C'est parti les gars, là on va prendre notre dessert. On va prendre des mangues. Venez voir les mangues, comment elles sont. Donc, ça a été cueilli du manguier hein, ce matin. Ça a été pris du manguier. Donc on va toutes les prendre. C'est seulement à 400 francs. 400 francs, c'est... je mettrai le prix, la conversion en euros. Donc ça, c'est pour notre dessert. Et franchement, pour une personne, 4 mangues, c'est assez... C'est beaucoup quand même. Mais bon, vu que nous, on est des gourmands, on va tout prendre. Il y a de quoi manger jusqu'à demain. Si tu manges 2 mangues comme ça, c'est déjà bon. Pour le matin, donc avec les beignets qu'on a achetés, on va faire descendre avec les mangues. Donc on va tout prendre. Elles sont prêtes à manger. Hein. L'avantage avec ces mangues là, c'est qu'elles sont remplies de sucre. Vous voyez comment elles sont molles. Là, quand tu tapes là, ça va pisser comme du tété. Et ce que j'aime bien dans des quartiers comme le 8e arrondissement ou même d'autres arrondissements de Brazza, c'est que l'air elle est très fraîche. Hein, pour toutes ces personnes qui n'aiment pas trop de bruit, moi j'aime bien ici parce que c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a beaucoup d'arbres, c'est frais. Et il y a vraiment ce vivre ensemble, on le sent vraiment. Vous voyez, il y a des belles maisons comme ça. Mais moi, j'aime bien être ici. Et l'électricité, elle est stable aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de coupures. Il y en a deux fois, mais ça n'est pas du temps. Mais tout ce qui est maison, des produits ménagers et tout, c'est dans des espaces un peu comme ça. Et ça aussi, c'est des très bons business pour toutes ces personnes qui ont des opportunités, qui veulent investir. Ça, c'est des très bons moyens de mettre votre argent. Ça paye, ça marche. Bonjour, ça va? Donc ça dépend de combien vous pouvez en manger. Bon, moi j'en mange 4, c'est 200 francs. Je vais prendre pour les autres. Là c'est combien? 300. C'est bon. Donc vous avez vu, hein, ça c'est le petit déjeuner. Donc moi j'ai pris des beignets à 200 francs. Donc avec 200 francs on a 4 beignets. Bon, les beignets on va plus les présenter. Hein. S'il faut que je te présente des beignets, c'est que tu as des problèmes. En fait on s'est trompé de sens. Pour vous dire vrai, on s'est trompé de sens. Donc là on refait toute la traversée. La chose qu'on était censé aller voir, elle est de l'autre côté. Et ce qui est bien avec le bateau, c'est que bah, ça t'évite fait, de faire une heure de route. Tu traverses. Ce n'est pas assez commun. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de personnes qui utilisent le bateau. Il y a toujours des gens qui utilisent le moyen de déplacement, le bus. Donc voilà. Hein. C'est une très belle journée. Mais prochainement, quand vous venez ici, venez avec des pantalons. Portez des chaussettes. Parce qu'il y a des petites bestioles... qu'on appelle des fourrous. Les fourrous, ça pique... Alors, ça donne pas le palu, mais ça pique et ça bouffe le sang comme des moustiques. Voilà. Donc, ça, c'est super important. Si vous voulez passer un bon séjour, mettez des pantalons et des chaussettes.